Bonjour à tous, je suis Juliette Pierce, l'auteur d'Everlasting, un roman de science-fiction saupoudré d'un peu d'amour. Mais alors de quoi ça parle exactement ? Face au déclin inexorable de la natalité, une entreprise nommée Everlasting vend un logiciel révolutionnaire qui a pour objectif de vous trouver votre âme sœur. Sans elle, il devient rapidement impossible d'évoluer dans la société. On vous retire votre travail, votre appartement et tous vos amis s'éclipsent de votre vie. Tout va bien pour As, l'héroïne, jusqu'à ce qu'on lui confie que ses résultats sont négatifs. Elle n'a pas de correspondance dans la base de données. Incapable d'envisager son futur sans cette âme sœur indispensable, elle reprend finalement espoir quand Everlasting lui propose de tester une nouvelle version du logiciel. Seulement, c'est au cœur du système que l'on en découvre ses failles. Je vais donc vous lire un petit extrait du roman, il s'agit du chapitre 5. As vient juste de se faire implanter la nouvelle version du logiciel donc, et elle se réveille dans les complexes d'Everlasting, où on lui a prescrit une session de groupe avec une psychologue et avec les autres cobayes de ce test. Après avoir terminé l'encas, je reboote mes systèmes pour être certaine d'être tenue informée des changements de mes constantes. Même si j'ai encore de légers vertiges, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai pris une bonne résolution. Je vais me servir de ces quelques semaines passées au calme pour redevenir celle que j'étais. Reprendre le sport, la lecture, arrêter l'alcool aussi. Amusant de voir combien il coule à flot dans une société où nous sommes censés être heureux. J'ai totalement déchanté après la perte de mon travail. Comme s'il n'y avait plus d'espoir. Plus de parents, plus de compagnons, plus de job, que me restait-il? Rien que les meubles de mon appartement, et encore... J'ai brûlé tous ceux qui me rappelaient Jasp. J'ai essayé de rebondir. J'ai passé de nombreux entretiens d'embauche, enduré plusieurs périodes d'essai dans toutes les entreprises possibles et imaginables. Mais tout se confondait en excuses quand venait sur le tapis la question de la stabilité émotionnelle. Aucune ne m'a accepté. Comment peut-on confier une équipe à une femme que l'ordinateur suprême ne peut même pas lire ni diagnostiquer? Car ne pas avoir d'âme sœur, outre le fait qu'il s'agisse d'un manque cruel d'empathie pour la situation de l'humanité, fait germer une autre idée, plus monstrueuse encore. Notre cerveau ne fonctionne pas correctement. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de diplôme, mais d'architecture personnelle. Comme si ne pas avoir d'âme sœur dévoilait une partie sombre de notre personnalité à qui personne ne voulait avoir affaire. Quelque part, si je n'avais aucun nom tatoué sur le corps, c'était parce que je n'étais pas digne d'être aimée, et pire, que j'en étais incapable. Et il n'avait peut-être pas tort. Le docteur Riley me l'a d'ailleurs dit, mon cerveau n'est pas bien foutu. Et si je n'ai pas porté attention à ce que ça signifie lors de notre rencontre, je vais désormais utiliser mon temps libre pour chercher à le découvrir. Je me lève, teste l'appui sur mes jambes avant de me mettre vraiment debout. Elles sont encore un brin douloureuses et mes tempes martèlent un rythme que je ne connais pas. Je me désintéresse des nuages noirs qui grondent au-dessus du downside et me glisse en dehors de la chambre. Je ne suis plus dans la même aile qu'à mon arrivée. Le hall d'entrée donne sur le jardin d'hiver et l'hôtesse que je ne reconnais pas m'offre un grand sourire. Elle m'indique le chemin pour la session de groupe et je suis docilement ses ordres sans me précipiter. La main sur les murs immaculés pour ne pas tomber, je passe par de nombreux couloirs s'ouvrant sur des portes qui mènent je ne sais où. Il y a de grandes baies vitrées que je longe pour voir de plus près la cour intérieure. De jeunes enfants s'ébrouent dans l'eau de la fontaine sous l'œil avisé de leurs parents. Des patients, des employés, je ne sais pas. Des papillons virevoltent entre deux brises. S'il n'y avait pas quelques personnes en fauteuil roulant, je me croirais presque dans un parc public pour... plus que dans un complexe hospitalier. Car il ne faut pas s'y méprendre. Everlasting est surtout une entreprise pharmaceutique. J'ai simplement été transférée dans la branche expérimentation. Ils ont une ribambelle de chirurgiens prix Nobel pour tous les autres. Les normaux. J'arrive finalement devant la salle, indiquée par un panneau session de groupe. Recouverte de moquettes blanches, un grand cercle de chaises m'attend. 8 chaises, pour être précise, dont 3 sont déjà occupées. Ellis est en bout de rangée, l'éclat de ses lentilles m'indique qu'il est occupé sur iBrain. À ses côtés se trouve une jeune femme brune, aux traits fins de l'ancienne Asie, tombée en proie aux flammes. Elle triture ses ongles et n'ose pas relever la tête. Je décide de m'asseoir près d'une petite blonde qui ne doit pas être majeure et qui tente de se cacher derrière son rideau de cheveux pâles. La conférencière à la crinière de feu me salue et approuve mon choix de siège en hochant la tête. « Bonjour As, comment vous sentez-vous » Je n'aime pas être le centre de l'attention, si bien que je manque de m'asseoir à côté de ma chaise, gênée de ses regards braqués sur moi. « Beaucoup mieux, merci. » Je me tourne vers la jeune femme à côté de moi, mais son regard d'encre n'ose pas croiser le mien. Elle me fait pourtant bonne impression, tout en elle respire la gentillesse, bien loin du visage austère et fermé de mon compagnon de chambrée, Ellis, qui s'enfonce un peu plus dans son mutisme. Les autres patients finissent par arriver au moment où le silence commence à être un peu trop pesant pour moi. Quand nous sommes tous installés, la conférencière prend finalement la parole.
Je me présente, je suis Ray, je serai votre encadrant psychologique pour tout le reste de votre séjour. Si vous avez le moindre problème, la moindre interrogation, mon bureau se trouve ici, au rez-de-chaussée, sur la gauche après les escaliers. J'y suis à toute heure du jour et de la nuit. Notre objectif est de vous savoir épanoui parmi nous. Son sourire chaleureux n'est pas communicatif, il me semble factice. Je ne sais pas si j'ai envie de me confier à ce genre de personne. De toute manière, je n'ai ni le besoin, ni l'envie de lui parler. Maintenant que vous en savez plus sur moi, nous devons en savoir plus sur vous. Vous allez donc vous présenter à tour de rôle pour que l'on apprenne à vous connaître. Dites-nous tout ce qui vous fera plaisir. C'est à Élise de commencer. Je rigole intérieurement, m'attendant à ce qu'il l'envoie bouler ou se contente d'un borborygme. Contre toute attente, il décline son nom et son prénom, Élise Mo, son âge, 28 ans, et son contentement d'être ici. Rien de bien croustillant, mais assez pour titiller ma curiosité. Les gens croient connaître ceux qui parlent beaucoup, alors que c'est plutôt l'inverse. Être un moulin à paroles donne l'impression de se livrer. Simplement, parler n'est pas avoué. Cela permet juste de mener la conversation là où l'on veut. Paraître exubérant, ne rien avoir à cacher, c'est là tout le piège d'une personne secrète. Se taire est synonyme de culpabilité. Alors, quand il balance son nom et son âge du bout des lèvres, je comprends qu'il a quelque chose à cacher et qu'il s'y prend très mal. Une jeune femme blonde et lancée, Cara, prend la relève. Corps de mannequin, yeux de chat, elle déblatère sur ses passions dans la vie. La mode, mais aussi la mode, puis la mode, et encore la mode. Heureusement, la psy lui prend la parole pour la donner à une jeune asiatique aux allures renfermées. Anna. Le contraste avec sa prédécesseur est saisissant. Elle commence une présentation décousue et elle serre tellement le stylo qu'elle tient à la main que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une encre. Plusieurs fois, elle bute sur les mots. Elle s'y reprend avant de pouvoir faire des phrases complètes et compréhensibles. « Je suis arrivée ici en même temps que vous. » Pause. On dirait qu'elle a appris un texte par cœur, mais semble éprouver des difficultés à s'exprimer. C'est bizarre. Sa bouche pâteuse, comme si elle avait trop de dents dans la bouche. « J'aimerais ici trouver... » Elle bégaye, se perd dans ses mots, s'embourbe dans sa langue gonflée. Sa prise sur le stylo se raffermit, ses yeux parcourent la pièce, l'air affolé. Elle suffoque, elle tousse. Ray avance une main interrogatrice, lui demande si ça va, mais Anna tousse une dernière fois, expulse une gerbe de sang qui éclabousse le sol de nacre. La blonde à côté de moi repousse sa chaise avec violence, alors qu'Anna, toujours droite comme un i, s'agite de spasmes sur sa chaise. Le sang continue de ruisseler sur son menton, tache son chemisier, rigole jusqu'au sol. Sa tête bascule en arrière, mais entre les torrents bouillonnant de sang, elle continue de parler, les mots ricochent comme des éclats de verre sur les murs. Elle balbutie ses hobbies, sa musique préférée, la destination de ses rêves, alors que le rubis cesse enfin de jaillir d'entre ses lèvres. Un instant, elle reprend pied dans la réalité, fixe la psychologue qui vient d'arriver près d'elle, complètement paniquée. « Anna, tu te sens bien ?»« Parfaitement bien, oui, » lui sourit-elle, les dents barbouillées de pourpre. Ray alerte la sécurité, mais c'est trop tard, Anna vient de se planter un crayon dans l'œil. Et nous ne fûmes plus que 7. Et voilà pour le chapitre 5. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une science-fiction un peu thriller, avec un peu d'action aussi et un peu d'amour. Donc un cocktail explosif. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je remercie Alice Picker pour le temps qu'elle m'a consacré sur sa chaîne. À bientôt et bonne lecture !